Eh bien, salut, j'en suis ici pour la première partie de La Via Los Santos sur Next Gen. C'est complètement énorme. J'espère que vous êtes tous là. Bah voilà, si vous voyez la vidéo, vous êtes là, certainement. Donc, en fait, j'ai décidé de faire La Via Los Santos à côté des missions même. Parce que j'ai trop hâte de faire La Via Los Santos. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment demain ou plus tard la suite d'émissions. Ça, il n'y a absolument pas de souci, mais pour l'instant, on va se faire une petite vie à la synthèse de temps en temps, comme ça, parce que vous l'aimez bien, moi je l'aime bien aussi, donc voilà. Donc, je vais tout de suite expliquer pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la vie à la synthèse. Je vais tout de suite expliquer, mais par contre, d'abord, je vais vous lire ce message parce qu'on vient d'avoir un message. Je me rappelle plus comment il s'appelle le mec, je vais tout de suite vous le dire. Boss, il organise des courses de stock-car dans le coin. Tu devrais essayer, sauf si t'as pas envie. Ça pourrait être marrant ou pas. Tu gagnes une voiture si t'es assez doué. Enfin, bien sûr que t'es assez doué, t'es le meilleur. Te fâche pas. Voilà. Donc c'était. Ah oui, voilà, c'est Ron. Le message vient de Ron, bien évidemment. Et puis, j'ai décidé donc, parce que c'est vrai que l'émission. Bah, on peut pas faire des missions enfin, pas les courses de stock-car et tout, parce que ça va pas vraiment avec l'émission. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça va être la première partie de la Via Los Santos sur Next Gen. Et j'espère que ça sera la première partie de nombreuses de la Via Los Santos. Et puis, donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, on fait tout ce qu'on fait pas dans l'émission. Donc, normalement, commencer cette série parce que j'ai fini l'émission sur PS3 et du coup pour continuer un peu GTA je me suis dit bon on va faire une petite série comme ça qui s'appelle La Via Los Santos. Je sais c'est un peu con parce que si on réfléchit normalement ça devrait s'appeler La Vie à San Andreas parce que la région toute la région bon là on l'a pas encore parce on n'est pas allé très loin normalement toute la région elle s'appelle San Andreas et puis juste la ville le centre-ville ici s'appelle Los Santos, mais par contre, je me suis dit parce que il y a un GTA qui s'appelle San Andreas, d'ailleurs le meilleur, et donc du coup, ça fait un peu, je sais pas, ça peut faire bizarre. Et du coup, j'ai appelé cette série La Via Los Santos. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Attendez, alors voir, bonjour monsieur, j'aimerais bien revenir dans une voiture adaptée pour participer à la course de Tokar. Oh putain. Putain, il nous faut carrément une voiture, mais où est-ce qu'on va trouver une voiture? Bah écoute. Ah merde, c'est fermé. Il s'en bat les couilles. Oh putain, non, on peut pas la prendre. Adapté. Où est-ce qu'on pourrait avoir une voiture adaptée au stock-car? Alors là, ça va être chaud. Est-ce que, genre, on peut commander sur internet une voiture stock-car? On va voir. On verra. Donc ça, tout ça, ça fait partie de la Via Los Santos. Tous les délires, tous les trucs qui marchent pas rond. ça fait partie. Attendez. Donc non, c'est pas là. Putain, ça fait longtemps que j'ai plus été ici. Est-ce que là, il y a une voiture qui ressemble au stock-car? Celle-là, elle est décapotable quand même, mais bon. Celle-là, elle pourrait le faire encore, mais je sais pas tellement si c'est une bonne idée. Mais attendez, il n'y a pas que ça, si. Bon, ça, c'est les voitures de luxe, mais là, il n'y a pas de stock-car, je pense. Putain, on va se faire tellement plaisir quand on aura plein de thunes, mon gars, ça va être déjà sûr. Surtout avec Franklin, hein, parce qu'avec lui, j'aime bien conduire et tout. Assassin. Ah oui, d'accord, ça, c'est en ligne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Donc. Est-ce qu'on pourrait avoir une voiture stock-car? Mais mec, mais de où? En même temps, est-ce qu'ils peuvent pas nous donner des genres de conseils quelle voiture prendre? Dégage, voilà. Est-ce que ça c'est une voiture stock-car, mon gars? Ah bah voilà. Il fallait juste prendre une voiture normale en fait. Mais mec, de où c'est une voiture stock-car? Bon, c'est pas grave. C'est bien, comme ça au moins ça commence maintenant. Et en plus c'est la nuit, mais mec. On va se faire défoncer mon gars. Je sais pas si je me trompe, parce, mais j'avais pas l'impression que...
Les autres versions étaient. Ah, mais en fait, c'est que lui, là, le premier, en fait, qui a une vraie voiture de stock-car. Les autres, pas vraiment non plus. Je sais pas si je me trompe, mais je crois pas qu'il y avait des courses stock-car sur la version PS3 et Xbox 360. En tout cas, j'ai jamais vu. Oh putain, non, mais mon gars. Ah. Bon, attendez. Voyons juste voir la situation. Ok, la situation, elle est pas bonne du tout. Le mec, il sort de véhicule et puis il dit, ouais, bon, la situation, en ce moment, est un peu critique. Mais on peut encore rattraper tout ça. Même si le premier, il est en train de filer grave, mais... Oula. Il faut pas se faire des conneries comme ça, là. Mais on peut encore faire l'affaire. Il y a combien de tours en tout? J'ai pas vu, je crois qu'il y avait 5, mais ça, je peux me tromper. On est pour l'instant 4ème sur 5. Sur 9. Sur 5, ça serait critique quand même. Mais... Oh merde, je klaxonne en même temps, ça, je kiffe. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Mais ils sont juste devant nos nez, là. Alors, mon gars... Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ah bah, je crois qu'il est pas très satisfait de cette situation. Mais on est troisième. Donc c'est bien 5 tours. Et là, on est à la troisième de 5. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça va pour l'instant. Du coup, le premier, j'ai l'impression qu'il s'est un peu rapproché là. Donc pour l'instant, on a les deux devant. Mais ça va être chaud parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris la meilleure voiture de... Oh putain, mec, dégage. Voilà, celui-là au moins, c'est fait. Lui, il reviendra plus. Mais du coup, tous ces trucs-là, c'est bien pour le premier, pour qu'il puisse filer. Mais pour l'instant, il n'a pas encore trop filé. On a encore nos chances. Même si on a une voiture pas très adaptée à une course, en fait, si j'aurais su que c'est pas vraiment du stock-car. Enfin, si, parce que bon, on peut défoncer les autres. Mais... Si j'aurais su que c'est quand même un peu la course, enfin, bon, enfin, mettons, c'est un peu logique, mais une voiture un peu plus rapide, j'aurais pris en tout cas. C'est le choix, mais bon, j'ai pris la meilleure voiture, enfin, pas la meilleure, mais la première voiture qui arrivait comme ça. Putain, mais si on se fait encore un petit virage en sortant proprement et tout, on peut encore nous le faire. Mais ça va être chaud parce que niveau accélération, il file quoi. D'accord, on a déjà plus de phare et tout, c'est bien. On est en train de rattraper limite les derniers là. Oh putain, mais le frein de merde. Allez mon gars. Putain, mais c'est chaud. Mais en tout cas, si je la refais avec une meilleure voiture parce que sinon ça va être chaud. Allez, on peut encore faire. Ah putain, mais mec, mais... on est tellement derrière lui, mais c'est hallucinant. Allez. Non, 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 non. Putain, c'est juste la fin, mais mon gars! On met en accélération, en fait, on n'a aucune chance. Ouais. Fais le malin, toi. Bon, du coup, deuxième place, c'est bien aussi. Mais je vais revenir un jour avec ma voiture, si je peux. Bon, c'est parti. Donc, une deuxième place, ça fait quand même plaisir. Même si une première place, ça serait encore mieux. Donc, il y a juste une course à côté, en fait. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Est-ce qu'il nous faut un avion ou il nous prête un avion ici? Allons voir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Il y a absolument quelqu'un, mais il y a un avion ici. Pour commencer l'épreuve, voltige aérien. Ok, contre la montre. Ça marche. Donc, c'est la contre-la-montre. Donc, bah, on va faire la première déjà. Faites la course dans une vallée. Bon, ça c'est une course, ouais. Ça marche, on va la faire. Bon, c'est la première fois que je suis dans un avion dans cette vue de première personne. Ça va être chaud. Je vous le dis, oh là, ça va être chaud. Ça va être grave chaud parce que. Mais c'est bon ça! C'est tellement beau! Je peux vous dire qu'on va s'amuser encore
dans la série La Vie de la Santas, on n'est pas encore fini. Et puis bien sûr, il y aura encore. Oula. Merde, ça c'était. Là, j'ai merdé. J'ai absolument merdé. Mais par contre, je trouve ça un peu chaud. Cette vue. Ça me rappelle un peu du Flight Simulator. Un peu moins compliqué quand même que le Flight Simulator, mais. C'est quand même pas mal. Donc attendez, qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est du vert. Donc du coup, comme ça. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai plus touché un avion dans GTA. Je le sens tellement mal. Allez. Non, sous le pont là, je vais pas le faire parce que celui-là, je le sens très très mal. Putain, il nous enlève 5 points direct, cash. Donc ça, c'est de nouveau. Putain, mais. Oh là 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 là. Mais c'est rien en fait pour les. Non, mais mec! Ça, en fait, j'aurais dû refaire un petit coup de. D'école de pilotage là parce que. Ça va pas du tout comme ça. Ah oui, sous le pont, ça aussi, on doit faire. Tout ça, c'est des trucs à faire dans la Via Los Santos. Mais par contre, le problème, c'est que j'aurais largement dû refaire un petit coup de. D'école de pilotage là. Au moins avec Trevor. Même si on l'a déjà fait, mais. Maintenant, c'est quand même une nouvelle vie qui commence. Next-gen. Une nouvelle vie de qualité. De 1080p. Mais en tout cas, il manque vachement d'entraînement quand même là parce que. Je dirais pas que j'ai merdé complètement, mais. J'ai loupé quand même quelques trucs qu'il fallait pas louper quoi. Donc, maintenant. On s'est fait bronze, médaille de bronze, ouais bon. Faites la course à travers les collines en passant devant le signe Wynnewood. Allez, on va le faire. Et puis on va revenir. On va même revenir au stock-car, mais on va aussi revenir à celui-là. Pour nous refaire ça en beauté. Pour nous faire des médailles d'or là. Parce que je pense que c'est possible avec un peu d'entraînement et tout. C'est vrai que là, j'ai. Ça fait longtemps que j'ai plus touché un avion sur GTA. Et puis du coup. Voilà quoi. C'est quoi ça? Oh merde! Oh putain, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. En tout cas, il y avait écrit pénalité de plus 1. De où il y a une musique là? On voit la lune et tout, c'est beau quand même. Et je trouve, je kiffe cette vue, même si on peut pas en profiter à donf là, mais on va se prendre un avion avec Trevor en bout d'un moment, et puis nous faire un petit kiff. On va survoler San Andreas complètement avec un petit avion comme ça, tranquille. Et puis dans cette vue, c'est magnifique. Ça change quand même. Mais ça c'était carrément la merde. Pénalité de plus 5. Putain mais. Ils y vont fort avec les pénalités quand même là. Wynnewood mon gars. Oh putain. Ouah. Ça. C'était quasiment un crash quoi. Mais en même temps. Les points ils sont bas quoi. Oh putain. Voilà, donc ça c'est fait. Mais j'ai l'impression que mieux que bronze, ça va être chaud carrément quoi. Parce que. On aura du mal là. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, pour un premier temps. Et on va revenir certainement parce que j'ai envie de me faire tout ça en. Au moins argent, j'ai envie de dire. Mais un petit bronze, ça peut être fun aussi. Enfin bref, donc on va quitter tout ça. Et on va certainement revenir
Oula. Qu'est-ce qu'il a sur la tête, lui? Il avait un truc chelou sur la tête. Donc, on va revenir ici. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a encore à... Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire dans le coin? Donc, il y a encore le stockard, ça me tente tellement. Avec une meilleure voiture, putain, fait chier. Mais on va plutôt se faire une petite mission inconnue détraquée, parce que ça, on peut le faire. Parce que oui, on fera certainement. Bon, les missions inconnues détraquées, on fait aussi dans les missions, dans la série principale. Mais par contre, je pense que de temps en temps, on va quand même faire les inconnues détraquées dans la Via Los Santos. Parce que disons, dans les missions, on a déjà pas mal de trucs à faire. Et je pense que la série, ça va nous prendre déjà pas mal de temps en 60. Donc du coup. On peut de temps en temps nous faire un petit kiff et faire les inconnus et détraquer dans la Via Los Santos. Désolé pour l'animal. Je viens d'écraser quelque chose, mais je sais même pas quel animal c'était. Putain, le mec, il a bien fumé dans cette voiture. Il a bu un café, il a fumé, il était bien. Hein. Il s'est mis bien. Et mais c'est une voiture qui va quand même assez vite. Pas mal, pas mal. On dirait pas de dehors. Oh putain, ouais, mais du coup, les crashs à cette vitesse, ça peut être très dangereux pour la santé. On y va. Putain, mais c'est loin, hein. C'est carrément un peu à l'extérieur. Voilà. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour, madame. There you are, handsome. Lou Mudd. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Allons trouver ce mec. Donc déjà on va quitter cette zone. On va faire ça avec beaucoup de classe en reculant comme ça. On va faire tout le chemin en reculant, voilà. Et puis là, un beau demi-tour mon gars, voilà. Donc un nouveau contact maintenant. D'accord, est-ce qu'on peut l'appeler éventuellement? Ça me tend très bien. Bah écoutez. On va l'appeler. Oh putain, ça c'était chaud. Le mec il avait clairement un petit truc derrière encore. Alors attendez, on va l'appeler. C'est elle, madame. This is Mauds of Grape Seed. Please leave a message if you have any information relating to the whereabouts of unaccounted for delinquents. Bon, va te faire foutre alors. Dans ces cas-là, va te faire foutre. Et puis, tiens, en fait, cette voiture, elle est rapide. Donc, j'ai envie de la... Le problème, c'est qu'elle est déjà cassée, quoi. On s'en fout, on s'en fout, on refait. J'ai envie de gagner ce stock-car, putain de merde, là. Voilà. Le mec, il est motivé, là. Bon, on y va maintenant. Et cette fois-ci, on va gagner. Je le sens, je le sens. Ah, quoique. Cette voiture, elle est bien aussi. Bonjour, monsieur. J'aimerais juste tester votre voiture, vite fait. Est-ce que c'est monsieur ou madame au moins? Un peu de respect quand même.
Comment ça se... Ah, c'est monsieur, d'accord. Mec, je voulais juste savoir... Déjà, t'arrêtes de me taper immédiatement. Qu'est-ce que tu me veux, là? Cherche la merde. Cherche la merde. Cherche la merde. Cherche la merde. Voilà, bon, on va arrêter. Oui, d'accord, je me pousse. Qu'est-ce qui vient, l'autre? Putain, mais là, ils se mettent tous à... À me faire chier, là. Bon. Oh là, l'intérieur, elle est un peu cassée. Mais c'est donc absolument pas grave. Par contre, j'ai l'impression qu'elle va un peu moins vite que... Que l'autre, là, quand même. Et puis, elle a pas vu d'extérieur... d'intérieur, si on regarde derrière, en fait. Ça fait bizarre aussi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va retenter quand même. Du coup, je suis un peu moins motivé qu'avant. Parce qu'elle va un peu moins vite. Alors, attendez, il y a... Il y a Maud qui vient d'écrire. Qu'est-ce qui se passe? I'll have to keep an eye out for you. Salut Trevor, on m'informe que ce voyou a été repéré à la carrière. Il est du genre... ok. Donc c'est lui le monsieur. Dernière position connue. Ah mais alors ça par contre... Est-ce qu'on peut genre y aller? Mais la carrière c'est où? Déjà là on peut se faire une course, c'est pas mal. Mais par contre je vois absolument pas où elle est cette carrière. Elle doit être... un endroit où on n'a pas encore visité, mais mec... Ça va être carrément chiant parce que... Attendez, on va revoir ça. À la carrière, il est du genre à faire... Alors, d'accord, donc il peut être dangereux. Ralph Osterwitz, c'est un truc dans le genre. Je vois pas trop en fait. Dernière position connue. Mais quelqu'un pour m'indiquer où elle est cette position. Bon, on va s'occuper de tout ça une prochaine fois. Mais on va d'abord faire cette course. Allez, c'est parti maintenant. Ah, j'allais dire, est-ce que c'est la journée maintenant? Non, c'est le soir. C'est le soir, c'est bien aussi. Allez, mon gars. C'est parti. Bon, ils sont des... voitures quand même pas mal. Je sais pas si ça va être vraiment mieux comme ça. Ah, quoique, une bonne accélération, là. Bah oui, mon gars. Qu'est-ce que t'as cru? Bon, par contre, le premier, il est quand même chaud. Hein. Il est... Lui, il se laisse pas faire. Mais par contre, cette façon d'accélération, on a une chance. On a une chance, là, les gars. Putain, ça va être chaud, mais on a une chance. Faut juste pas que je merde trop, en fait. Parce que, sincèrement, si on peut être deuxième avec une voiture qui va moins vite, et on a en plus fait un petit crash encore en début, si là, je le fais pas, ce crash, on a toutes nos chances. Ah putain, mon gars! Alors celui-là par contre. Celui-là, mon gars. Je vais la. Mais il est chaud quand même. C'est pas une merde, le mec. Surtout qu'il a quand même une bonne accélération. Il nous faudrait limite une voiture de ouf, quoi. Allez, mon gars, casse-toi, casse-toi. Voilà, mon gars. Ça, c'est du stock car. Il s'est fait doubler, en plus, là, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le dernier, j'ai l'impression, parce que nous, on est premier. Donc casse-toi. Voilà, comme ça, exactement. Le mec il défonce tout, mais en même temps c'est du stock car donc c'est absolument autorisé. Donc maintenant il nous suffit d'y aller sûrement. Voilà.
pas doucement parce que ils sont juste derrière nous quand même quoi. Donc là faut faire gaffe. Mais pas trop vite non plus, sans crash et puis comme ça. On pourrait gagner ce petite course stock-car, ça ferait plaisir. Et puis comme ça, bah après cette course, on s'arrête déjà. Vous allez me dire comment ça vous plaît, si ça vous plaît toujours qu'avant. Parce que vous avez plutôt bien aimé les vidéos sur PS3, la vie à Los Santos. Et puis comme ça, bon, je pense pas qu'il y aura tout de suite encore une vidéo de la vie à Los Santos. Parce que bah, j'ai quand même envie de faire l'émission principale. Et puis je pense que la vie à Los Santos, ça pourrait être encore mieux si on a fini toute l'émission. Parce que là, comme dit, cette fois-ci, on va gérer avec la bourse et tout. Et on va pouvoir s'acheter le terrain de golf et tout ce qu'il faut. On va se mettre bien, les gars, ça va être déjà sûr. Là, on va vraiment s'amuser sur la Via Los Santos. Et du coup, j'ai déjà hâte. Mais c'est vrai que j'aimerais bien d'abord finir l'émission. Et pour ça, bah, faut pas qu'on traîne à faire des trucs dans le genre comme ça. Mais bon, ça fait plaisir, donc du coup, on le fait quand même. Médaille d'or, première place, comme ça, c'est fait. Et puis je peux vous dire qu'on va revenir à l'avion aussi pour nous faire une petite médaille. La Steinberger Shot est à vous. Ah d'accord, carrément on gagne la voiture mon gars. Ah ah, bah c'est là on la gare chez nous. C'est énorme. D'accord, donc effectivement on peut gagner une voiture, c'est énorme, c'est énorme. Donc attendez, on va juste la voir de derrière, de dehors. D'accord, donc avec la pub de Burger Shot et tout, ça le fait. C'est plutôt beau gosse. Bon, par contre, attendez, on va se mettre comme ça. Et on va rentrer à la maison maintenant. Et puis, comme ça, on se dit à la prochaine. Moi, je vais encore mettre cette voiture chez nous. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et comme ça, à partir de demain, on se retrouve de nouveau pour la suite des missions sur GTA. Et puis, ne vous inquiétez pas, même si ça va être pas pour tout de suite, accepter un boulot de chasseur de primes pendant... Quoi? Ah oui, d'accord, ok. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis comme ça, on se retrouve très vite pour bah aussi une vie à Los Santos, mais surtout demain pour la suite d'émissions sur GTA. Donc salut Jean, et à très vite.